25 ans de profession derrière elle, 25 ans d'un travail assez pointu pour porter haut le secteur de la mode et de la couture à la sauce gabonaise du Gabon, aussi au-delà des frontières gabonaises. 25 ans pour enfin donner naissance à un nouveau bébé. La haute couture gabonaise ouverte au monde peut désormais s'imposer à travers un nom. Le Festival de la mode gabonaise, une marque déposée de la créatrice Angèle Epouta à travers l'association Gabon Art. Parlez-nous un peu de vous, votre naissance, votre implication dans ce qui a été votre passion aujourd'hui, qui est votre profession. En parlant d'Angèle Epouta, Angèle Epouta est une benjamine d'une famille de 11 enfants. 11 enfants. Et je suis l'avant-dernière, on dira, de ces 11 enfants, donc où nous étions quoi, 4 filles et 7 garçons. C'est bien ça, hein, le nombre, oui, 11. Donc, après mon baccalauréat, je suis partie pour la France, où j'ai eu mon diplôme de styliste modéliste. Ouais. Et j'ai vécu là-bas en France 25 ans. Bon, je dirais encore que j'y suis parce que je fais les va-et-vient. Donc, en France, dès que j'ai terminé mes études, j'ai travaillé à mon compte, en fait. J'avais mon entreprise. Et après, dans ma ville où j'habite, Nanterre, j'ai créé une association qui avait pour but de promouvoir les jeunes créateurs. Et aujourd'hui, je me dis... L'association avec mon nom ? Owali. Owali. Voilà. C'est important qu'on le signale. Owali. Donc, c'est une association qui a été subventionnée par la mairie de Nanterre. Et une fois par an, j'invitais tous les jeunes créateurs à participer. Et ils venaient de partout la France pour participer à cet événement de promotion. Et ça se passait très bien. Et en venant au Gabon, je me suis dit, pourquoi ne pas faire la même chose? Parce qu'on a plusieurs créateurs en herbe, on a plusieurs jeunes qui sortent d'école de mode, qui n'ont pas la possibilité de présenter leurs travaux, leurs créations. Donc il serait important, au lieu qu'on soit éparpillés à gauche, à droite, qu'on se mette ensemble et qu'on pousse ces jeunes-là à se réaliser et à montrer, et surtout d'assurer la relève, parce que nous, on part, on prend de l'âge, la retraite est en train de nous regarder à travers l'épaule. Donc il est important aujourd'hui, il a été important aujourd'hui de mettre en avant, de mettre en route ce festival. Donc aujourd'hui, pour une première, nous avons mis en place ce festival et je crois que ça a été une réussite. En effet, Libreville, la capitale du Gabon, le 2 juillet 2022, sous le parrainage de Serge Abessolo et sous le haut patronage du ministère des Arts et de la Culture, a vibré aux couleurs de la première édition du FOMOGA. J'étais en train de dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que, avec mes 25 ans de mode, hein, je ne peux plus me mettre sur scène pour habiller les mannequins en taille fine, en 36. Non, je passe à une étape où je veux vendre mes créations. Et quand nous, surtout en Afrique, avec la culture que nous avons, quand une dame regarde un mannequin qui est en taille 36 sur scène avec une robe, elle ne se voit pas dedans. Donc automatiquement, elle va dire « je ne peux pas ». Alors que là, aujourd'hui, le but à mon âge et avec le métier que j'ai, c'est de pouvoir vendre ce que je produis. Quel que soit la scène, moi, je suis maintenant sur le plan où je fais du prêt-à-porter, de la haute couture, mais une couture qui se porte par les dames qui veulent acheter. Ouais. Donc sur scène, en ce passage que j'ai fait pour mes 25 ans de mode, non seulement je suis partie sur un thème, la mode au fil des temps, et après j'ai mis une panoplie de modèles sur scène pour attirer ces femmes à pouvoir acheter, à pouvoir se retrouver un peu dans le milieu de la mode. Comment vous avez réussi? C'est quoi votre secret? Vous avez eu tout
toutes les catégories de mannequins. J'ai les eu dames, les messieurs, les professionnels, l'heure, comme on va dire. J'ai exigé à mon directeur artistique de me trouver des femmes comme mannequins. Non seulement des jeunes filles, mais des femmes à partir d'une taille 42. Et le monsieur que vous avez vu défiler ventre, c'est un de mes collègues avec qui on était au lycée. Oui. Donc, au lycée technique, voilà. Donc, on a créé un club de Capoziens. Voilà. Et je vous assure que c'était la belle époque. Hein. Oui. On a créé ce club, cette association. Et aujourd'hui, il a dit non, Angèle, je vais te faire honneur, je vais te défiler. Mais il a arraché la vedette à tous ces jeunes. C'était magnifique, c'était vraiment magnifique. Donc aujourd'hui, je me dis, je laisse la place aux jeunes qui veulent faire des vêtements de scène. Moi, je ne suis plus au stade où je fais des vêtements de scène, je fais des vêtements portables. Alors, j'ai fait corps avec le président de la Chambre des métiers nationale du Gabon, qui nous jure que par vous aujourd'hui, parce que lorsque vous étiez en pleine effervescence, lui n'était pas au Gabon. Ouais. Et depuis quelques temps, ils sont en train de mettre la chambre de métier en place. Et il me disait, c'est du bien. Ça fait du bien de savoir que nous avons un capitaine. C'est comme ça. Je ressors du festival qu'on appelle Carrousel, le Carrousel international de la mode. Il y a également le FIMO. Déjà au niveau national, on peut être sûr que c'est du Angèle et Bouta, et aussi à l'international. Serez-vous disposé à servir d'abord votre pays sans s'élargir également l'international? Ben, écoutez, déjà, je fais de l'international. Toute la période à laquelle j'étais en France, chaque année, j'avais un défilé à faire à l'international. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai laissé un temps mort, mais je reprends un peu les choses en main. Je suis disposée à servir mon pays et aller à l'international représenter mon pays sans problème. Après 25 ans, elle aura tout proposé en matière de création et style de mode à une clientèle diversifiée avec une finesse de pointe. Angèle Epouta a su faire le mélange des tissus naturels dits du continent et celui venu d'ailleurs. À l'occasion d'un festival, comme son nom l'indique, met sur scène tous les acteurs de la mode. Du côté de la créatrice et sa cuisine interne, les tenues sont là et connaissent quelques finitions. La pièce maîtresse, une robe de mariée chic, perlée à la main par plusieurs petites mains, dont la touche finale est donnée par la créatrice elle-même. Nous sommes à 2 jours du grand défilé. L'heure est au dernier réglage. Jour J-1, les mannequins et l'équipe artistique procèdent aux essayages. Tu viens d'essayer laquelle-là que je trouvais grande là. C'est eux qui n'avaient pas fini. C'est la première, oui. La bleue là. Non, il y avait une autre. Non, après ce sera l'autre juste bleu, pour là. Voir si la scène c'est long, la disponibilité des uns et des autres, c'est la scène terminée en fait. Et le matin, quand tous les créateurs vont déposer leurs affaires, c'est à ce moment que tu me poses les ordres de passage des filles sur un tableau et on suit. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà. Mais comme ça, là, je ne sais pas si tu vas t'en sortir. Une bonne synergie entre les New Face mannequins et quelques anciens. Un travail de professionnel avec Lionel, lui-même ancien mannequin de la maison de création Angèle Epouta. Si vous venez en fleur de peau, ça ne va pas le faire. Comment venez, quand elle sera. Maintenant, pour les filles, ne tombez pas malade ce soir. Un projet innovant, unique en cette date. Depuis les années 2014-2015, un magazine de mode reste de nos jours à la mode.
les mannequins sélectionnés se régalent. Il est important pour moi de laisser des traces de mon passage sur Terre. Et laisser les traces d'un passage quand on est dans la créativité, quand on est artiste ou même artisan, je dirais, c'est de laisser des traces. Et laisser les traces, il fallait faire un catalogue de mode permanent parce que j'avais de quoi vendre. Donc, j'ai sorti un premier numéro, un deuxième numéro. J'ai dû m'arrêter parce qu'aujourd'hui, la mode avec les réseaux sociaux. Ouais. Facebook, voilà, Instagram, on a plus, les gens n'achètent plus les magazines, donc j'ai dû arrêter. Et puis au moins j'ai deux numéros super. Pour l'édition, je crois que quand j'ai monté le projet avec mes collaborateurs, nous avons rencontré le ministre de la Culture qui a tout de suite adhéré au concept. Ils étaient contents, ils se sont dit bon, nous c'était un peu l'idée qu'on avait de pouvoir créer un festival de mode par corporation de la culture au Gabon. Mais comme vous êtes déjà lancé, on va vous soutenir et on va travailler en partenariat. Et c'est comme ça qu'on s'est mis partenaire avec le ministère de la Culture et on a lancé ce festival qui devrait être pérenne pour les années à venir. Donc je dis encore merci au ministre de la Culture qui a cru en nous et qui a été très présent pour nous accompagner dans cette première édition. Les mannequins, surtout votre famille. Oui, je dirais surtout ma famille, merci, parce que sans la famille, surtout la mienne, je n'aurais pas pu monter cet événement-là parce qu'ils ont fait une mise en place de tonnerre, sachant que dans notre famille, nous faisons de l'événementiel, donc on a du matériel. Donc ils se sont occupés de toute la partie installation et ça a été très beau. Vous aurez l'occasion de voir les images, de montrer les images. Donc voilà un peu, je dis merci à ma famille parce que sans eux, on n'aurait pas pu réaliser sur le plan financier tout ce qui a eu à être réalisé matériellement. Mon impression, c'est que c'est impressionnant. Et puis, Madame Yeputa, tout le monde sait, ce n'est pas n'importe qui. Donc, la voix comme ça est très, très, très impressionnant, en effet. Vous suivez Anthony, hein? Il est fiancé, Anthony, attention. Ok, allez, direction le musée. Direction Musée National du Gabon, où le décor est en train de prendre corps. Les mannequins sont au filage. Le lendemain, toutes les équipes techniques et artistiques sont en branle. N'est désormais qu'une question d'heure. Dernier filage pour les mannequins sur le tableau à servir aux convives. Le directeur artistique donne les dernières consignes. On ne va pas revenir sur tout ce que l'on s'est dit depuis le début. Je pense qu'à l'heure actuelle, tout le monde a déjà vu les schémas dans la tête.
Le seul conseil que je vais vous donner, c'est de faire ça. Faites-vous confiance. N'oubliez pas d'abord l'objectif, c'est un spectacle. Il est impossible, au niveau où nous en sommes, de faire quelque chose de parfait, tel on l'a fait pendant l'étudiant de l'entraînement. Mais tout ce que l'on veut, c'est que vous donnez le meilleur de vous-même. Vous avez déjà mémorisé le circuit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant qu'on était en train de faire le filage, ne vous faites pas de pression à savoir qui va poser ou prendre. Mémorisez le circuit. C'est ça le plus important. Une fois que vous l'avez mémorisé, même s'il y a une personne supplémentaire sur le podium, vous saurez quoi faire quand vous êtes devant. N'oubliez pas quelque chose. Le public, il est en face de vous. Un mannequin ne marche pas pour soi, mais un mannequin marche pour son public. Donc le plus important, lorsque vous marchez, c'est de regarder le public pour qu'il y ait une harmonie entre votre expression et la tenue que vous portez. Lorsque vous faites le giratoire du musicien, calculez le timing pour sortir au même moment. D'accord ? Utilisez les signaux qu'on s'est donnés depuis le premier jour. Le code de communication qui est quoi ? Comment se situe la presse, le domaine que tu accompagnes ? Ben déjà, pour le festival, le festival de première édition, on peut dire que la presse est bien informée. Le message, c'est que voilà, le Gabon est une terre, riche culturellement et même aussi au niveau du vêtir. Coiffure et make-up pour les mannequins, obligatoire. La créatrice Angèle Epouta n'y échappe point. La scénographie est au beau fixe, en ces lieux du Musée national du Gabon. Plein d'histoire et d'espoir. À ce jour du 2 juillet 2022. Les invités sont là. Commence alors le contrôle des finitions, des créations sélectionnées pour le concours des jeunes créateurs. Pour la plupart, venus des écoles de mode de la capitale. C'est ce concours qui débutera la soirée. Un florilège des créateurs et quelques stylistes est aussi confié. À la scène, puis place à Angèle Epouta. Angèle Epouta ? Ben bien sûr. J'ai envie de dire 25 ans. Vous le disiez déjà tantôt. 25 ans, ce n'est pas 25 jours. Ce n'est pas 25 mois. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à inscrire son nom sur un livre d'or comme elle le fait ce soir. 25 ans, c'est énorme. Beaucoup ont laissé les ciseaux, comme vous le disiez déjà. Et elle a continué. Je le disais déjà à l'introduction, je me souviens de cette tenue, j'étais encore toute petite, j'étais à la télé. Elle nous proposait une tenue faite à base de feuilles de bananier. Bien sûr. Ce que vous ne savez pas, et beaucoup d'entre vous ici, c'est qu'elle a défilé aux côtés des plus grands. C'est vrai que nombreuses sont des personnes qui parmi nous connaissent Angèle Epouta, parce que le nom Epouta est une marque, ça c'est évident. Mais seulement depuis les années 2000, mais Angèle Epouta a fait des défilés aux côtés des plus grands. Dolce & Gabbana, Versace et j'en passe. Ce soir, mesdames et messieurs, accueillons ensemble les créations Angèle Epouta. Sous vos applaudissements, un tonnerre d'applaudissements. Sam,
Mesdames et messieurs, la robe de la Marie, des créations Angèle et Poudin, ça mérite une ovation très forte. La robe de la mariée, des créations Angèle et Poudin. Je vous laisse Angèle. Je le disais, Angèle et Poudin, je vous ai présenté. 25 ans, c'est énorme. Quel est votre secret? Il faut tenir, c'est ce que je peux dire. C'est pas facile ce milieu, mais il faut être persévérant, il faut tenir. C'est ce que je peux dire. Et je suis tellement émotive, il y a tellement de choses. 58 ans. Pour l'émotion. L'émotion, on peut le lire sur son visage. Alors, écoutez, cette connexion, après 25 ans, d'où est-ce que vous avez puisé cette énergie? Je vous assure que ça n'a pas été facile. Avec l'âge, on n'a plus la force de faire comme les jeunes aujourd'hui. Mais je me suis dit, non, il faut quand même les fêter ces 25 ans. Et je me suis mise là depuis 6 mois à faire tout doucement, et voilà le résultat. Mais le thème étant la mode au fil du temps, je me suis dit, il fallait retourner pour faire oublier les gens vers le passé pour revenir vers le futur, l'acteur, le présent. Et envers vos invités, Angèle, envers les annonceurs, les partenaires, ainsi de suite, vous avez la parole, Angèle. Si, Valdi. C'est vrai qu'on avait prévu 5 feuilles de rame de papier pour le discours, mais on va faire la version courte. Je ne ferai pas un discours, en fait. Je voudrais juste d'abord commencer par remercier le Seigneur pour ces moments, pour nous avoir permis de réaliser cette soirée. Ça n'a pas été facile, mais Dieu est grand. Et je ne vais pas faire un gros discours, j'ai quand même un petit parchemin à dire. Oui, je dirais. Merci au ministre de la Culture, notre partenaire pour cet événement. C'est d'abord à lui vraiment que je dois dire merci parce qu'il a cru à notre projet. Il a été là, il nous a écoutés. Et monsieur le SG qui nous représente ce soir saura transmettre nos remerciements à monsieur le ministre. En tant que président de ce festival, je voudrais aujourd'hui encore dire merci à notre parrain Serge Abessolo qui a bien voulu honorer de sa présence et de nous tendre pour cette première. Un véritable voyage dans le temps, 25 ans, surtout dans ce riche patrimoine qui fait tout un monde féerique. Un monde du rêve qui devient réel en ce jour. 25 ans, cela se mérite.
comme peut le confirmer le secrétaire général du ministère des Arts et de la Culture du Gabon. Avant de prononcer mon petit mot, je vais d'abord vous présenter toutes les excuses des deux membres du gouvernement, c'est-à-dire le professeur Tamida Bouyama et Max Samuel Oboubantougou, le ministre délégué de la Culture et des Arts, en charge de la Culture et des Arts. Et en leur nom et en ma qualité de secrétaire général en charge de la Culture et des Arts, je présenterai d'abord toutes mes félicitations à la grande, à la très grande ce soir. Vous avez imaginé de qui je veux parler, la grande Madame Ibouta. Et avant de parler d'une dame, les femmes aiment toujours dire ça, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Mais moi je dirais ce soir, derrière une grande dame, il y a un grand monsieur. Salve le monsieur. Pour M. Ibouta, qui est là dans la salle, c'est pas la vie. Voilà. Je voulais le remercier pour tout ce qu'il fait. Et au nom du ministère de la Culture, la petite surprise, elle est petite, elle est grande. Nous aurons entre le 4, à partir du 4 et au 6 novembre 2022, les CITA de Lomé, c'est-à-dire le festival, le CITA de Lomé, le Festival international de la mode africaine. Le ministre et le ministère en charge de la culture, pour vous donner la nouvelle dynamique qui est au ministère de la culture aujourd'hui, fera ou prendra en charge 4 stylistes pris en charge en totalité, billets d'avion, hébergement, nourriture, tout ce que vous pouvez imaginer. 4 stylistes, comme nous en dans le monde, on prendra le même jury, présidé, sélectionnera. Mais d'emblée, Madame Ibouta est tout fils sélectionné. Déjà, je vous assure que pour revenir à ce panel de mannequins préalablement choisi, je voudrais d'abord dire que m'acquitter de ce devoir d'avoir géré des mannequins pour ce premier festival était un véritable challenge. Parce que répondre déjà aux exigences de Madame Angèle Ibouta, je vous assure que c'est quelque chose qui mérite un sésame. Et quand on arrive à la clôture d'un tel événement et on se dit tout compte fait que l'on a quand même réussi à tenir ce challenge, comme je le disais auparavant, on dit ouf, oui, on y est arrivé. Alors pour revenir à la question que vous posez, il fallait faire une sélection rigoureuse. Comme vous le voyez, les maisons Angèle Ibouta offrent une clientèle variée. Il n'existe que de mannequins que pour des personnes qui peuvent se représenter et s'illustrer en ces personnes. Et le challenge était justement de retrouver et de regrouper des personnes, du moins des mannequins qui pourraient corroborer et arborer les créations Angèle Ibouta. Donc la difficulté première a été celle-là, mais Dieu merci, tout s'y rend. Il suffit d'aller sur Angèle Ibouta Création, Facebook, de la page Facebook. Vous tapez Angèle Ibouta Création et vous rentrez. Là-dedans, je l'ai fait. Hein. Et quand vous entrez, il y a la page professionnelle qui vous envoie également sur le numéro WhatsApp. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. J'ai envie de vous dire merci. Je vous en prie, Prince. Ça a été un agréable plaisir de vous avoir au Gabon. Et restez vous-même. Voilà. Merci. Ça me va tout droit au cœur. Merci beaucoup. Merci. Voilà. De la parole aux actes, avec Angèle Ibouta Création au Gabon, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour tous les acteurs du secteur de l'industrie de la mode.